Bonjour à tous. En ce moment, je suis en train de m'auto-former sur plein de sujets que je ne connais pas forcément bien à la base. Cela concerne notamment pas mal d'épistémologie et de sociologie. En attendant, je me dis que ça serait bien de faire une vidéo dans laquelle j'aborde beaucoup d'éléments. Il s'agit d'une réflexion que j'ai depuis un moment pour savoir si une preuve d'un système de domination est une bonne preuve. Je vais commencer par exposer une anecdote qui m'est arrivée. Ça s'est passé quand j'étais au collège, durant la période où notre professeur d'SVT en était au chapitre de la respiration. Elle a organisé un petit test pour savoir si nous avons bien appris notre cours et si nous savions reconnaître un poumon. Elle a donc montré une photo de coupe prise au microscope. Nous avons alors décrit les différentes parties du poumon. Nous avons identifié les nombreuses alvéoles pulmonaires que vous voyez là, qui sont traversées par quelques vaisseaux sanguins absorbant l'oxygène des alvéoles et rejetant le dioxyde de carbone vers les alvéoles. Une fois fait, la prof nous a dit « C'est bien, vous connaissez votre cours, vous avez reconnu toutes les parties du poumon. Seul petit problème, ce que je vous projette n'est pas un poumon. » En rangeant mes affaires, j'ai refait cette diapo de coupe de muscle. Oui, sur le coup, je me sentais très con. Et franchement, à part ceux qui sont biologistes, avouez que vous aviez vraiment cru que notre description du poumon était exacte. Que s'est-il passé? Tout simplement que moi et mes camarades nous attendions tellement à être confrontés à une image du poumon que nous avons assigné toute forme identifiable à ce que nous avions appris en cours. L'esprit humain possède une tendance que l'on a tous, le biais de confirmation. Le biais de confirmation consiste à trouver dans absolument toutes les choses des confirmations de ce que l'on tient déjà pour vrai. On a alors l'impression que notre opinion est soutenue par un nombre très très grand de preuves, alors qu'en réalité, chacun de ces éléments sont au plus des indices. Pour vous dire jusqu'à où ça va, Gérald Brugner raconte que, quand il s'est intéressé aux attentats contre Charlie Hebdo, il a trouvé un type qui était persuadé que les services secrets israéliens avaient fait le coup et avaient vu que le parcours de la manifestation faisait la carte d'Israël à l'envers. C'est l'un des pires biais car il me semblait très difficile de ne pas tomber dedans, et une fois dedans, on ne sait pas que l'on est dedans. J'ai une première technique assez simple, c'est de mettre dans la phrase d'abord la preuve, puis ce que ça prouve. Exemple, vous pensez que votre femme vous trompe. La preuve, vous retrouvez fréquemment des cheveux roux sur la robe qu'a portée votre femme la journée, alors même que vous êtes brun. Si vous mettez les preuves d'abord, cela donne, il y a des cheveux roux sur la robe qu'a portée ma femme le soir, donc elle me trompe. Vous vous rendez compte que cette preuve ne tient pas. Par contre, si vous pensez que votre femme vous trompe, la preuve, vous avez une photo d'elle en train de coucher avec un autre homme. L'inversion donne, j'ai une photo de ma femme en train de coucher avec un autre homme, donc elle me trompe. Là, on voit que cette preuve est satisfaisante. C'est un petit outil rapide, mais je crains que quand une idée est a priori trop forte, même en inversant, on peut ne pas se rendre compte qu'une preuve est insuffisante. Mais c'est alors que j'ai vu cette vidéo de Mr. Sam que je vous mets ici. Pour vous résumer, il donne sa technique pour savoir si une preuve de l'efficacité d'une médecine controversée, mais en laquelle vous croyez, est valide. Je vais vous la décrire brièvement. Étape 1, je prends une autre médecine controversée, mais en laquelle je ne crois pas. Étape 2, je convertis l'argument de la médecine 1 vers la médecine 2. Étape 3, je me pose la question, supposons que cette preuve se réalise pour la médecine bleue, est-ce que je croirais en son efficacité? Si la réponse est oui, cela montre que l'argument est bon. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle nous met dans une situation où on n'a absolument aucune envie particulière que la médecine bleue soit réellement efficace. Donc, si la proposition que l'on prend pour une preuve est capable de nous faire changer d'avis, cela montre que cette preuve a de la valeur. Je crois que ce peut être une bonne technique pour tester une preuve d'un système de domination. 1. On prend un argument censé démontrer l'existence d'un système de domination. 2. On choisit un autre groupe d'épreuves dont on ne croit pas qu'il exerce une domination systémique. Ce groupe peut être un groupe dont la domination semble ridicule, moi je prends l'exemple des roues. Un groupe dont on pense plutôt qu'il est dominé, ce peut être les noirs, les femmes, les homosexuels. Un groupe dont dire qu'il est dominant est malaisant, cas simple, les juifs. 3. On se dit, si la preuve était vraie pour le groupe épreuve, dirais-je que ce groupe est dominant? Je vais faire un petit test avec les arguments les plus classiques pour l'existence de la domination blanche. Premièrement, la discrimination à l'embauche. En effet, plusieurs études concordantes ont montré qu'à CV égal, les Noirs et les Arabes recevaient moins de réponses à une offre d'emploi que les Français de souche. Pour vous en donner un exemple, l'Observatoire des inégalités a fait une campagne de testing montrant qu'à profil égal, un Français d'origine maghrébine a 3 fois moins de chances d'être convoqué à un entretien d'embauche qu'un Français d'origine hexagonale ancienne. Deuxièmement, la discrimination au logement. Quand des personnes sont intéressées à louer un logement et qu'ils envoient donc une demande au propriétaire ou à l'agence, il a été démontré que les Noirs et les Arabes recevaient moins de propositions de visite que les Français de souche. Ainsi, une étude menée par la Fédération Travail-Emploi-Politique Publique du CNRS a montré avec un testing sur les interlocations
qu'un Français avec un nom à consonance autochtone avait environ 4% de réponses non négatives en plus qu'un Français avec un nom à consonance maghrébine ou subsaharienne. Enfin, troisièmement, le contrôle au faciès. Les études sont concordantes pour dire que les forces de l'ordre contrôlent bien plus les Noirs et les Arabes que les Français de souche. Avant de donner un exemple, permettez-moi de vous faire un petit cours de statistiques. Soit une population A, soit PA la probabilité qu'un événement survienne dans la population A. Soit une population B, soit PB la probabilité qu'un événement survienne dans la population B. On appelle rapport des cotes, ou odd ratio en anglais, OR égale PA sur 1 moins PA, le tout sur PB sur 1 moins PB. Il représente en fait le rapport des cotes, les cotes au sens du PMU, c'est-à-dire le rapport de probabilité qu'un événement arrive sur la probabilité qu'il n'arrive pas. Si le odd ratio est égal à 1, cela signifie qu'il y a autant de chances que l'événement arrive dans la population A que dans la population B. Si ce ratio est supérieur à 1, cela veut dire que l'événement a plus de chances de survenir dans la population A que dans la population B. Et plus cet odd ratio est élevé, plus la disproportion en faveur de A est forte. Si ce ratio est inférieur à 1, c'est exactement le contraire. Une chose à noter, un simple déferment limité nous permet de voir que pour des valeurs petites de PA et de PB, le odd ratio vaut à peu près PA sur PB. Je vous parle de ça parce que c'est cet outil qui a été utilisé dans l'exemple que je vous présente. Il s'agit d'une étude d'Open Society qui a regagné dans plusieurs gares la police contrôler les passants. Selon leur étude, le odd ratio noir-blanc des probabilités de se faire contrôler varie de 3,5 à 11,5 selon les gares, et le odd ratio arabe-blanc des probabilités de se faire contrôler varie de 1,8 à 14,8 selon les gares. Quand on est sur des petites probabilités ne dépassant pas 10%, on peut dire que ces valeurs représentent à peu près le rapport de probabilité de se faire contrôler. Un noir ou un arabe a donc en effet plus de chances qu'un blanc de se faire contrôler par la police. Nous avons donc là trois arguments que beaucoup avancent pour affirmer qu'il existe un système de domination blanche systémique sur la France. Je vais donc appliquer ma méthode. Les passants de la domination blanche sont aussi souvent ceux qui croient en la domination masculine systémique. Je vais donc utiliser le groupe des femmes comme groupe d'épreuve. Normalement, il suffit de supposer la réalisation d'un tel argument pour les hommes, voir si cela nous convaincrait que les hommes sont un groupe dominé. Mais il y a toujours un risque que l'on dissuie d'emblée, d'un seul but de protéger notre croyance en disant « Je peux bien dire que ça le prouverait, de toute façon ça n'arrivera pas ». Je vais donc présenter les éléments pour montrer la plausibilité de l'occurrence de ces arguments pour les femmes. Reprenons les arguments. 1. La discrimination à l'embauche. Quelques études ont été faites pour voir s'il y avait une discrimination à l'embauche basée sur le sexe. Les recettes sont mitigées et il semblerait que d'autres paramètres, tels que la profession, l'âge et la situation familiale, déterminent si la discrimination sera plutôt en faveur des hommes ou en faveur des femmes. L'observatoire des inégalités dont j'ai montré le résultat tout à l'heure a fait un testing en faisant varier l'âge et la situation familiale. Les résultats sont les suivants. On n'a donc pas montré qu'il y avait globalement une discrimination en faveur des hommes. Il est donc tout à fait possible qu'il existe de façon globale une discrimination en défaveur des hommes. 2. La discrimination logement. Concernant la discrimination logement, les études se focalisent principalement sur celles basées sur la race, l'âge ou encore le métier. J'ai vu passer quelque chose sur les femmes enceintes, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, j'ai vu passer il y a quelques temps ce post Facebook. Un homme raconte qu'un propriétaire a refusé de lui louer au motif qu'il ne louait qu'à des femmes. De plus, quand je suis allé lire les commentaires, les plus de gens trouvaient ça normal et trouvaient des excuses au propriétaire. Cela ne constitue bien sûr pas une preuve, mais c'est un gros indice. Il me semble donc probable qu'il existe une discrimination sexuelle à location à la défaveur des hommes. Enfin, concernant le contrôle au faciès, il est très clair que les hommes se font contrôler bien plus que les femmes. Ainsi, le rapport de l'Open Society Justice Initiative dont je vous parlais tout à l'heure note très clairement, d'une manière également conforme à ce que l'on observe dans d'autres pays, les hommes forment une part prépondérante des personnes contrôlées. Les odd ratios pour les hommes, comparativement aux femmes, étaient de 9,88 à chaque station, 3,50 à chaque innocent, 8,83 à Gare du Nord station, 1,62 à Gare du Nord Thalys et 9,35 à Gare du Nord RER. Et donc démontrer que les hommes subissent bien plus de contrôle d'identité que les femmes. Je vais donc transformer les preuves. Cela donne 1. Si on démontrait que globalement, les hommes subissent une discrimination à l'embauche en fonction du sexe, cela démontrerait-il l'existence d'une domination systémique des hommes par les femmes? 2. Si on démontrait que les hommes subissent une discrimination au logement due à leur sexe, cela démontrerait-il l'existence d'une domination systémique des hommes par les femmes? Et enfin 3. Sachant que les hommes subissent bien plus de contrôle d'identité que les femmes, peut-on affirmer l'existence d'une domination systémique des hommes par les femmes? Pour chacune de ces questions, soit la réponse est oui. Dans ce cas-là, on peut dire que l'argument appliqué aux blancs
est probablement une vraie preuve de l'existence de la domination systémique ? Soit la réponse est non, ce qui est mon cas pour les trois arguments. Dans ce cas-là, l'argument avancé dans le cas des Blancs n'est pas une preuve de l'existence d'un système de domination. Il est probable que cet argument ne vous convainquait que parce que vous croyiez déjà en l'existence d'un système de domination. Cela prouverait-il alors que le système de domination n'existe pas ? Non, cette méthode permet de réfuter un argument de son existence, mais cela ne réfute pas son existence en elle-même. Par contre, il existe en épistémologie ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam nous dit qu'il faut minimiser les hypothèses. Ainsi, tant que je n'aurai pas de preuve de l'existence de système de domination blanche, je considère qu'il n'existe pas, mais je pense avoir trouvé un moyen de savoir ce qui me fera changer d'avis. Il suffit que l'on me présente une preuve qui convainc la personne qui me l'a présentée et qui respecte le critère de cette vidéo. Merci de votre attention, je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez de cette technique.